Bien-aimé, beloved, ne laisse pas ton passé, do not let your past, t'empêcher d'avancer, to stop from moving forward. Le passé est passé. Amen. Your past is the past. On appelle ça passé parce que c'est déjà passé. We call it the past because it's the past. Maintenant, tu dois passer autre chose. Now you need to move to something else. Tu dois avancer vers autre chose. You must move to something different. Et par rapport à ton présent. And looking at your present now, lorsque je regarde mon présent, when I see my present, avec les choses que Dieu m'a dit, with what God has told me, il y a beaucoup de divergences. There are so much differences. Lorsque je regarde ce que Dieu m'a when dit, I see what God told, lorsque je regarde ma destinée, when I see my destiny, et les réalités que je suis en train de faire face, the reality that I'm facing, il y a un grand écart. It's a huge gap. Maintenant, si je regarde cet écart, if I look at that gap, ça peut m'empêcher de ne pas avancer. My stop me not to move forward. Dieu t'a dit tu seras quelqu'un de grand. God told you be a great mais lorsque man, tu regardes aujourd'hui, when you see today, il n'y a rien de ce que Dieu t'a dit. It's nothing of what God told. Cela ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. It doesn't mean that it's not going to happen. Amen, amen. Amen. Ton passé était un jour ton présent. Was one day your present. Ton futur, and your future deviendra aussi ton présent. Become also your present. Toi, travaille sur ton présent maintenant. Just work on your present now. Travaille sur ton présent. Work on your present. Le problème c'est que si tu ne fais rien dans ton présent, ne t'attends à rien dans le futur. In the present, do not expect anything in the future. Tu es le résultat de ce que tu avais fait hier. You are the result of what you have done yesterday. Alors, l'avancement que tu dois faire maintenant, and what you're doing now, c'est ce qui va déterminer maintenant ta grandeur demain. Determine your greatness for tomorrow. Amen, amen. Amen. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Am I blessing someone? Retiens ces choses-là. Now, hold these things. Je sais que lorsque tu regardes les réalités, and when you're looking at the realities, les réalités te font peur. The reality are making you to mais be j'aimerais afraid, te dire but I want you to know que le Dieu que tu cherches that the God that you are seeking est plus grand que les réalités. Is much more bigger than the realities. Amen, amen. Amen. Avance. Move forward. Avance. Move forward. Et pour avancer, tu as besoin de la foi. And to move forward, you need faith. C'est là que je vais stopper, puis on va prier. And that's why I'm going to stop, and we're gonna pray. Pour avancer, to move forward, tu as besoin de la foi. You need faith. Plus que les prières, tu as besoin de la foi. More than prayers, you do need faith. Parce que c'est la foi qui va te faire voir ce que tu n'es pas en train de voir physiquement ici. Faith is the thing that will make you to see what you can't see. Lorsque les choses ne marchent pas, les yeux de la foi vont te faire voir ce que tu dois voir. Well, the eyes of the faith will make you to see them working well. Et ce que j'aime avec notre église, and what I like with our church, le nom de notre église, the name of our church, c'est ministère de la foi. Faith ministry. Faith. Donc si tu es un enfant de faith ministry, now, if you're a child of faith ministry, ton DNA doit être la foi. Your DNA must be faith. Au-delà de bien prêcher ou bien de bien prier, above preaching world, tu dois avoir la foi. You must have faith. Et c'est quoi la foi? And what is faith? L'espérance de choses qu'on ne voit pas. Your hope of the thing that we don't see. Donc tu n'as pas encore vu, mais tu espères déjà dans Zana. You haven't seen it yet, but you believe and know I have it. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Can Seigneur? We give a round of applause for the Lord. Bless you.